Lâchez vos larmes, Pauline. L'empereur va écraser ces Autrichiens. Et nous serons rentrés en Orient. Vous m'écrirez ? Tous les jours, je vous le promets. N'écrira pas. C'est un séducteur, voilà la vérité. Un séducteur. Oh. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il y a 3 ans, vous êtes parti pour l'Autriche. Pauline est mariée et mère de 2 enfants, et pour elle, vous êtes mort et enterré. Je la rassure sur le champ. Non, non, non ! Vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire. Alors je l'ai fait, moi. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres, et dans la dernière, je vous ai foot. Foot. Mais attention, Neville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de tout gâcher, non ? Ah oui. Neville ! Il est revenu. Nous avions un accord, vous deviez partir. Vous êtes fou, c'est ça, vous avez perdu la raison ? Me voici de face, à 2000 Anglais qui chargent dans ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là ! Là ! La cavalerie est arrivée. C'est ça la chute ? Bah, c'est nul. Je vous l'accorde, mais c'est de ma vie. Et on ne la choisit pas. Enfin, Neville, votre imposture ne tiendra pas 2 jours. Je coupais des doigts, des mains, des bras, des cheveux ! Elisabeth, si je tombe, vous tombez avec moi. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me reposer dans une chambre à l'étage, la dernière au bout du couloir. Pauline ! Neville ? François ? Ah, non. Pardon, j'attendais quelqu'un d'autre. Une autre fois, peut-être ? Non. Vous êtes en train de dénaturer mon œuvre. C'est le diable ! Il va nous déshonorer ! À la chienne ! Le capitaine que j'ai créé était fin, il était subtil. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine Neville. Arrêtez, Neville ! Vous avez fait vos 12 pas ! Ah, oui, j'avais compté 11.